la porte. Déjà venu? Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. J'aille voir ce qu'il y a derrière. On dirait que ça fait un bail que personne n'est venu ici. Une fenêtre, ça se verrouille pas. Électronique, c'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avait torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie.
putain. C'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. La lumière, les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Pour rejoindre les Lucioles. C'est triste. Oh, Eugène. Hey, j'ai trouvé le générateur. Tu peux modifier ton arme avec ça. Ouais, ça va le faire. C'est du beau boulot. Coucou, toi. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre ? Pas ici.
Aide-moi. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. C'est sûrement un écran géant qu'il voulait garder pour lui. J'en suis sûre à 80%. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séchée. Ça explique pas mal de choses. Cette vidéo. Ha. La queue du loup. Smash, Brandy, Scooch. C'est du porno. J'en avais des goûts spéciaux. Dina, c'est un bang masque à gaz. Oh, il était vraiment pas con. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périple, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh, putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue, c'est... Ouais. Et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi, je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais... On va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. Un étant complètement nul à chier, et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6?
Oh, si c'est des... Déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6.
devoir courir. Ils sont trop nombreux. Je veux qu'on rase. Hey, par ici. Par ici. Ah, stop. Par ici, viens. Ça va? L'important, c'est de se casser d'ici. Sors par derrière. Jette-moi, y'a que l'âme dessus. Oh, j'ai pas de meilleure idée, en tout cas. Hé, hey, t'as un flingue? Ouais. J'espère que tu sais t'en servir. Te laisse pas distancer. Faut qu'on prévienne les autres. Avant ça, faut déjà qu'on survive. Surveille les traits. Putain.
Ah! Je vais essayer!
vais t'aider. Reste à côté de nous. Où est-ce qu'on va? C'est par là. Allez. Il y en a partout. Surtout ralentis pas. Par ici, vite. Hey, moi c'est Tommy. Lui c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau.
La brûlure, là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe ! T'es chiante. Quoi ? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde ? T'as entendu ? Jessie ? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord ? Tout va bien ? Non, non, attends deux minutes ! Mais retourne-toi, bordel, qu'est-ce que tu fous ? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être entrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide ? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok ? Ok. Celle vos chevaux ? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passé, merde ? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ces types ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier ? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien, on fait que passer. Et vous, vous habitez par ici ? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Nora, c'est bon ? Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Jamais ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Puta madre ! Ah!
Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite ?
vite, ses mains. Lâchez-moi, putain. Salope. Arrête. Arrête, ça suffit. Ok, lâche-moi. Toi, je vais te crever. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le. C'est qui, ça? Elle s'est infiltrée. Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu veux la même chose que moi? Tue-le. Vite. Joël! Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! Non! Va au diable, bébé. Je te fais pisser! Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde! D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Tu sais quoi?
Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser.
Allez, dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Deinonychus. C'était une bonne journée. Tout va bien ? Oui,
Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Elle aussi, s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Ouais. À pied ? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors partez, pendant qu'il fait jour. Le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. 10 ans. Waouh. Et il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain. Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là ? Non, pas du tout. Mais fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi, ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF ? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston ? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations.
les voitures. Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Ah, une autre carte de super-héros. Question, si tu pouvais avoir un super-pouvoir, tu voudrais lequel ? Je dirais... l'invisibilité. C'est révélateur. Tu t'en servirais pour m'espionner ? T'as tout compris. Bon, bah, je me suis trompée. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Nickel. T'as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça.
Ouais. Méfie-toi, ils sont sûrement bien planqués. Oui, je sais. C'est bien ce qui me fait peur. Bouge pas. Je t'attends. Wow, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut. Regarde, on dirait que le mur est fissuré, là-haut. Tu le vois ? Ouais. Maintenant, il faut trouver comment grimper là-haut. T'as trouvé quelque chose ? Pas vraiment, non.
Ce sont des cages ? Des cellules. Il y en avait aussi à Boston. Dina, viens. Aide-moi à grimper. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. J'ai juste failli crever. Cool.
Fallait s'y attendre. D'accord. Comment je vais pouvoir t'activer ? Demande de quand ça date. La base Cerevena. Ok, intéressant. Voilà le générateur. Il n'y a pas de jus. Hey, tout va bien ? C'était quoi ce bruit ? J'ai pu ouvrir ce portail. Trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci.
Ouh. Ok. Yes. Bien joué. Merde. Allez, viens. On s'en va. On a assez traîné dans le coin. Et maintenant? J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Merde, regarde. Hôtel Cerevena. Ça doit être là. Ok. Faut trouver le moyen de franchir le portail Fuck Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Ok, c'est parti. Ah. Ah, plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, merde. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon. Comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Tu connais le code? Il y en avait plein sur la note que j'ai trouvée. Mais il faut relancer le générateur du portail d'abord. Hein ?
Bon, où est-ce qu'on est ? Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Ici. Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi ? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mesure. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles ? Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais. Je vois ça. Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Je serais probablement devenue un de ces foutus soldats. Impossible. Je te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine de Seattle serait moins... déserte. Ouais. Peut-être qu'ils sont tous planqués dans la base Cerevena. Il y en a combien des WLF d'après toi ? Ben... au moins 8. Si on a de la chance, si on n'a pas plus. Ça va aller. Faut rester sur nos gardes. Et faisons le plein. J'aime le risque. Mais ça part un peu trop dangereux, ça. Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Je le sens pas. Merde. On se tire d'ici. À toi de voir. Et protéger les pare-balles. Thank you.
Ah!
Fais gaffe! C'est sympa! Félix!